Coucou mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je vous prends en caméra libre comme ça. C'est la reprise, tout simplement. Je ne sais pas si je vais faire ce vlog. Appelez ça comme vous voulez. Je suis à la maison, télétravail oblige. Je suis très contente de reprendre mon travail qui me manquait. Donc j'ai hâte. Je vais me maquiller avec vous vite fait. J'essaierai de mettre en accéléré. Alors faites pas gaffe, derrière moi, on a repris en plus dans la chambre le... radiateur nous a lâché, donc on a une équipe qui est venue hier en repérage. Heureusement on a pris des journées off pour, enfin on a pris une journée off pour vraiment mon chéri et moi se retrouver, défaire nos valises, etc. etc. Et parce que je suis un peu surexposée là. Et voilà, en fait tout simplement c'est la reprise. Je vous ai montré sur Instagram mon petit colis by Terry. J'adore ce truc, le baume de rose. Je ne pensais pas être aussi fan de ce produit. J'ai aussi acheté le parfum. Je vous l'avais expliqué sur les réseaux, j'étais pas du tout contente parce que By Terry devait m'envoyer ou alors vente privée le paquet à partir du 28 décembre, entre le 28 et le 5, et ils m'ont envoyé le 23. Du coup il a été heureusement récupéré par l'un de mes voisins qui était très sympa, qui me l'a gardé depuis le 23 décembre. Donc le mec il a un colis hyper volumineux en plus. Excusez-moi, le truc il fait trois fois l'intérieur du colis. Bref, j'ai recommandé d'autres parfums, ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire aussi une vidéo sur tout ce que je n'achète plus en make-up puisque ma collection maquillage a énormément baissé. D'ailleurs, je vous, pour rappel, j'ai des produits en vente sur ma page Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'envoyer un petit message, limite à me proposer vos prices parce que c'est là, tout est là et je suis sûre de ne pas l'utiliser. Soit je donne, mais je sais que je ne vais pas donner à des gens qui sont passionnés, enfin pas passionnés, mais qui ne vont pas utiliser à leur juste valeur ces produits-là, alors que si j'ai une personne de ma communauté qui vraiment... achète ce produit et va les utiliser parce que je sais que voilà, elle est sur l'univers où la sphère beauté. Bah je sens que voilà, ce sera un meilleur deal que finalement le donner à une personne de mon entourage puisqu'il y a des produits plutôt pricey à l'intérieur. Je vous dis, je vous ai le lot là, je vous l'ai fait donner parce que ben je sais que voilà, la crise pour certains, etc. Le maquillage c'est un petit peu le cadet des soucis de pas mal de personnes, donc voilà. Alors pour vous la faire courte, j'ai juste les fameux fards dont je vous avais parlé depuis l'année dernière, n'est-ce pas, qui vont arriver vendredi. Donc normalement entre vendredi et dimanche je vous filmerai une petite vidéo sur ces produits. Pour l'instant je les utilise en secret, donc là j'en utilisais un ou deux. Et comme je vous disais, je vous ferai une vidéo sur vraiment tout ce que j'utilise dorénavant comme produit, ce qu'il me reste comme produit make-up et que je ne vais pas donner, que je vais vraiment utiliser jusqu'au bout. Je suis super contente d'avoir fait ce gros tri, mais en tout et pour tout, devant moi j'ai cette palette, en comptant ces deux-là. L'intérieur de ça, je vous le cache, mais ça, vous le connaissez déjà. C'est ma fameuse palette que j'ai faite moi-même depuis un certain nombre de temps, qui regroupe pas mal de fards. Vous le voyez, ils sont quasiment tous hit pan, quasiment. Il y a une grande partie qui sont utilisés. J'espère pour certains les finir. Et ne pas les remplacer, en fait. Je vais, par exemple, les fards marron que vous voyez là, bah, je les remplacerai par les fards contouring, parce que ça, pour le coup, j'en ai pas mal de fards de contour où je me suis lâchée. Je vous montre. J'ai 4 poudres contouring, donc j'ai de quoi faire. Plus une grosse poudre comme ça. Voilà, donc j'ai décidé de m'orienter vers une forme, je dis bien une forme de minimalisme, et c'est très bien. Donc je vais me maquiller, mettre cette partie-là en accéléré, et vous retrouver certainement devant mon ordi, puisqu'il n'y a pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à vous montrer. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment histoire de reprendre les habitudes hein, que j'ai laissées, puisque je vous ai laissé avec des petites vidéos, un petit direct, etc. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont apprécié le direct que j'ai fait, qui m'ont dit franchement, fait que c'était cool de te voir là-bas, machin. Donc j'ai kiffé aussi, rassurez-vous, j'ai beaucoup apprécié ce petit moment d'échange que nous avons eu pendant que j'étais à la mer et que j'ai profité. J'ai fait du kata avec mon meilleur pote. D'ailleurs, il y en a plein qui ont flashé sur Arnaud. Alors Arnaud, si vous saviez, c'est une histoire d'amitié vraiment forte. Et pour le coup, on est la preuve vivante que l'amitié réelle entre un homme et un homme et une femme existe. Et même aux Antilles, les gars. Même aux Antilles. Moi, j'ai jamais vu la chose intime de mon meilleur pote. Il n'a jamais vu... Enfin, quoique... Ouais, il a dû me voir une fois à poil. On a même dormi ensemble à poil, je vous le dis. Et il s'est jamais rien passé. On est très très... proche, c'est vraiment comme un membre de ma famille, c'est comme un frère Arnaud, c'est vraiment comme mon frère. Je l'apprécie beaucoup 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 et ça fait 21 ans d'amitié et j'en suis plutôt fière de ça. Ouais, j'en suis plutôt fière, je vais pas vous le cacher, j'en suis même très très fière. Alors là vous voyez deux taches noires, c'est simplement que j'ai fait des frites pendant les vacances, que ma peau était tellement, je sais pas, en tout cas j'avais tellement pas de douleur que j'ai deux gouttes d'huile qui sont arrivées dans mon visage, heureusement pas dans mon œil, mais juste ici sur mon front. Et les gars, je n'ai rien senti, ce n'est que
durant la journée de kata que j'ai fait, en rentrant, que je vois des cloques au niveau du front et je fais putain, mais pas que tu t'es brûlé. Tu vois, je réalise la meuf 2 heures après. Et je fais comment j'ai fait ça. Et puis après, j'ai réalisé, mais oui, des frites il y a 2 jours. Bref, life. Les gars, je ne peux plus faire de contouring. Voilà. Je ne peux plus faire de contouring. En fait, le contouring me dit non, sista. Là, là, c'est ta peau. C'est ta peau est de la couleur du contouring habituel. Tellement membré. Et j'adore cette... Genre, franchement, alors c'est pas péjoratif, hein, mais je disais, ben, je suis de Peggy, je suis devenue Fatou. Et j'en suis très fière. Ce n'est pas non plus stigmatiser les Africains, puisque je suis aussi, j'estime, voilà, j'ai des origines africaines, évidemment. Gadegoulé-moi. Enfin bref, et pour vous la faire courte, vraiment ces vacances ont été de très très bonnes vacances. J'ai l'impression que c'est presque les meilleures vacances que j'ai passées. Je ne sais pas, pourtant mon chéri m'a dit ben non, c'était comme l'année dernière, enfin comme l'année dernière, comme il y a 2 ans. Parce que l'année dernière, vous le savez, on fait un coup Portugal, un coup chez lui, un coup chez moi, un coup dans un nouveau pays. Non, c'est, logiquement cette année on devait partir dans une autre destination que je garde pour moi, pour l'instant. En espérant qu'un jour ces destinations seront possibles à tout le monde. Mais bon, pour l'instant c'est mort avec Coco le Covid. Je vais laisser ça sur... Je vais pas essayer de cacher ça parce que... En fait j'ai mis un petit peu de produit. Mais j'ai pas envie d'en mettre plus parce que la peau commence à sortir. Et mon palais mettait plus conchonni sur ma peau, tu vois. Parce qu'en fait ma peau telle qu'elle est déjà très bien. J'ai pas besoin de plus de, tu vois, de changement au niveau de ma couleur de peau. Ma couleur de peau me correspond très bien comme elle est là. Je vais juste mettre un petit coup de poudre. J'en ai vraiment pas besoin. Là, vraiment, ce que je fais, c'est inutile pour moi. Mais je le fais pour, on va dire, utiliser mes produits. Utiliser mes petits produits pour pas que, voilà. Même mes sourcils, on ne les voit plus tellement, les gars. Mes sourcils qui sont noirs, on les voit à peine. J'ai fait une tache. Je vais essayer d'enlever ça à l'arrache. J'ai pas pris de torchon. Super, Peg. Oh, je m'énerve. Bon, je vais tenir ma main comme ça le temps d'eux. Je vais passer un peu de ça, de ce pinceau-là ici. Putain, en plus, je viens de réaliser. J'ai plein d'entretiens ce matin. J'ai pas mal à faire ce matin. Je me suis pas ménagée pour le retour. Je me suis dit je ne me ménage pas, je reprends sur les chapeaux de roue parce que les gens ont besoin. Et là en plus, troisième confinement oblige, faut que je trouve des solutions et que voilà, drapeau noir, allez quoi. On y va, on reprend les bonnes habitudes d'aider et d'être à l'écoute et tout ça et tout ce que mon métier implique. Et de créer des plans de formation et de les aider, de les accompagner, tout ça, tout ça. Donc, non, je me suis pas ménagée. Et puis, j'ai d'autres entretiens un peu plus internes. On doit me faire j'ai un interview, en fait. Une interview, c'est mieux de dire ça comme ça. Un interview, c'est pas français, ma fille. J'ai une interview interne. Je sais pas trop comment ça va se dérouler, mais en gros, je leur ai dit que... J'ai un premier entretien à 10h, qui doit durer 1h30. Je dois enchaîner sur un autre entretien. Bref, c'est rien qu'un entretien qui dit ma fille. Donc, je vais essayer d'être au taquet, de bien faire mon job et puis voilà quoi. De pas être trop mêlée. Alors, ce que je mets sur ma paupière, ça je peux vous le dire, c'est le Kiko Eyeshadow Stick en teinte 46. C'est un duochrome absolument tridimensionnel qui est sublime. Que vous devriez tout acheter. C'est un beige violacé, marronné, rosé et limite un peu verdâtre. Je l'ai utilisé dans plein de vidéos. Et vous m'avez vu porter, voilà, beaucoup. Et même, j'ai même fait, parce que je l'ai emmené pendant les vacances, j'ai même fait un petit maquillage viteuf avec, pendant que je vous avais en direct sur Instagram. D'ailleurs, j'ai pas enregistré tous les directs, sauf un direct dont je vous reparlerai un peu plus en détail en vidéo, qui me tient énormément à cœur, que j'ai observé là-bas. Certaines savent déjà de quoi il s'agit. Ou certains d'ailleurs, c'est dans la prolongation de tous les coups de gueule que vous avez vus sur ce qui se passe en ce moment aux Antilles. Et en fait, c'est juste... Sauf que moi, je l'ai pas mis en guise de coup de gueule, je vous ai juste mis « Votre île vous attend ». Un message plutôt positif et bienveillant pour vous expliquer que voilà, moi je sais qu'à un moment donné,
plutôt proche d'ailleurs, je ne vous en dis pas plus. Je repartirai vers mes origines, vers la base d'où je viens, à savoir les Antilles. Et je ne ferai pas la place à d'autres. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, je vais mettre ça. Je vais me mettre un peu de marron en coin externe, histoire de juste, voard. Là, je vous en parle pas, hein, du fard que je suis en train de me mettre, puisque ça fera l'objet, comme je vous l'ai dit. Ça fera l'objet, je vous l'ai pas encore, plus ou moins, enfin, je vous l'ai plus ou moins annoncé, d'une vidéo spéciale sur ces nouveaux fards que je me suis procurés. Que certaines sont déjà au courant, puisque je vous l'ai spoilé sur les réseaux sociaux. Et celles qui ont suivi, ben, tant mieux. Et puis ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave, vous attendrez la vidéo, mais je n'en parle pas. Voilà, 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 voilà. C'est canon, putain, c'est trop bon. Un peu marron. Je prends mes marrons chauds que j'ai. J'entends les enfants dans le couloir de chez moi en train de s'exciter là pour l'école. Il est 7h, les mecs. Ça fait tôt, non? Oui, aux Antilles, on commence les journées à 7h du matin pour info. Moi, je me levais très tôt, c'est un truc que j'ai toujours été habituée à me lever très très tôt le matin. Bon, je fais un peu moins depuis que je suis à Paris, parce que forcément, on commence à entre 8 et 9 heures. À quoi que les enfants ici doivent commencer peut-être à 8 heures, je dis des bêtises. 8h voire 8h30, ça dépend. Je suis tellement contente de reprendre en télétravail, parce que mine de rien, j'ai pas chargé mon téléphone. Mon téléphone, n'importe quoi. Mon vélo, donc bon. Ça allait être un peu la catastrophe sur la route. Bref, je vous laisse là. Je vais enchaîner, il est 8h. J'enchaîne, on se retrouve. Zaynette, voilà pour le make-up de rentrée, si j'ose dire. De rentrée toute glowinée, glowifiée. Voilà ce que ça donne. En gros, j'ai fait simple au niveau des lèvres. J'ai fait simple au niveau des yeux. Et ça, vous le verrez prochainement. Je vous retrouve devant le PC dans quelques secondes, à tout de suite. Je vous présente mon salon en bordel avec plein de trucs que je dois ranger. Je passe mon petit coin et je vais m'installer devant mon PC. Ici j'ai ma ring light juste là, je vais installer mes affaires. Là c'est un peu le bordel sur la table parce qu'on a déposé des trucs. Vous avez vu Toulouse, elle a bien morflé pendant mon absence, donc je vais voir comment je rattrape la bête. Voilà, voilà, voilà ma réalité, mes highlights, rien de fou, à tout de suite. Je suis habillée en mode jogging, jogging large que j'avais acheté chez Misguided, non, ou Pretty Little Thing, et ça c'est un, oh là là, c'est tellement vieux ce truc, mais je suis bien avec. Voilà, je vais me connecter, oups. Pourquoi ça s'est éteint. Je vais me connecter et commencer à bosser parce que j'ai du pain sur la planche comme on peut l'imaginer. J'ai plein de trucs à faire, voir. Et tant mieux. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Parce que franchement, j'aime mes vacances, hein, mais j'avoue que j'ai vite envie en fait de, au bout de 20 jours, une vingtaine de jours, souvent, ça me fait souvent ça, j'ai envie de revenir chez moi et de reprendre le travail. Je sais ça ne devrait pas se dire près d'un employeur ou chose comme ça, mais je m'en fiche, je préfère être sincère. J'aime travailler et c'est marrant parce que j'en discutais, ça je vous l'ai souvent dit, j'en discutais avec... avec ma mère, et ma mère me dit j'étais comme toi, sauf que moi, ouais, avec trois enfants, les vacances c'était pas des vacances en fait, donc j'avais qu'une envie, c'était vite de, je me reposais sur trois semaines de vacances, je me reposais deux jours quoi, quand vous me laissiez tranquille, ou une semaine on va dire à tout péter, mais quand vous me laissiez la paix, et voilà, mais sinon j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé travailler, être active et voilà, et je suis un peu comme maman sur ça. Les gars, je vous retrouve plus tard parce que je vais me connecter et je vais peut-être d'ailleurs passer des coups de fil, donc ça reste confidentiel. À tout à l'heure. Re-coucou tout le monde.
Alors à ma tête, peut-être que vous allez comprendre, je suis contente mais je suis déçue. Est-ce que vous voyez le « je suis contente mais je suis déçue » Pas que je suis trop bête. Donc j'ai reçu mes phares que j'attendais depuis un petit moment. Je vous regarde dans l'écran, c'est mieux. Je suis dégoûtée parce que j'ai eu 45€ de frais de douane. Bon, j'ai payé, hein, c'est pas la mort. C'est 45 balles, c'est pas grave. Mais sur une commande de 98€, ça fait un petit peu mal, voyez-vous. Donc, j'ai envoyé un petit mail à la team de la marque. Et bah, je vais vous montrer, en fait, ce que vous allez voir, comment ça se présente. Donc ouais, je suis mitigée mais contente. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Oh, je vais les déballer. Allez, j'en déballe quelques-uns. Oh my god, c'est trop beau. C'est trop trop beau, c'est trop beau. J'ai hâte de tous les mettre. Là, il y en a les deux premiers que j'ai reçus. C'est celui-là que j'ai sur ma paupière aujourd'hui. Avec un autre fard, et j'adore. Je vais tous les mettre. Et je vais vous montrer ensuite. C'est parti. Donc juste pour vous dire, il y a l'un des fards qui a pris cher, mais j'ai été obligée de le swatcher. Oh, est-ce que vous voyez la beauté? Est-ce que vous voyez, oh mon dieu, la caméra ne veut même pas faire le focus. Est-ce que vous voyez la beauté sur mes doigts peut-être? Oh, non mais est-ce qu'on peut en parler s'il te plaît? Non mais le waouh, OMG, c'est un... Vous voyez même pas que ça fait rose en fait. Si là vous voyez ça fait rose, là ça fait rose. Là ça fait violet, là ça fait bleu. Allez, vous voyez les reflets du truc. OMG. La beauté. Alors je suis en train de les... Il y a mon vélo derrière. Je suis en train de les mettre... bien quoi, mais vous voyez pas le côté rose, si vous voyez. Vous le voyez ou pas si je fais ça? Ouais, là vous verrez le rose, violet, rose. Il n'y a pas que du rose. Voilà, le... Je vous en dis plus dans pas longtemps. Mais pas maintenant. Parce que là, je l'ai défait et j'en ai pas. Et ça tient du feu de Dieu. De fuego Dios. Alors, celui-là, c'est lequel? Ils sont très fragiles, effectivement. Faut faire super gaffe quand on les reçoit, quand on les ouvre et tout. C'est tout un bordel. Hii, la bouteille. Là, c'est le flame blanc. Non, le flame, on passe ça. Oh mon god. Non, mais... C'est de la folie, c'est pas. C'est de la folie. Oh mon dieu, je suis choquée, je suis choquée. Mais regardez-moi la beauté de ce truc. Je laisse tomber au maximum. Oh putain, je sais pas. Putain, j'ai rendez-vous dans 15 minutes. Faut que je fasse vite. J'ai un interview en fait dans 15 minutes. La fille qui joue trop la star. Mais c'est pas des blagues en plus, j'ai rien demandé. On m'a contacté pendant mes vacances pour me dire voilà, est-ce que vous êtes disponible pour un rendez-vous. Genre interview. J'ai fait. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi moi? Ben, parce que c'est vous, Peggy. J'ai fait waouh! Non, c'est même pas des blagues en plus. Bon, c'est pour de l'interne, hein, c'est pour de la communication interne. Mais interne à ma boîte, bien sûr. Je ne passerai sur aucune chaîne de télé. Mais voilà quoi. Les gars, je suis shocking. Really? Like, really? Really? Mon dieu. Ah, je suis dégoûtée pour les 45 balles, mais bon. J'ai envoyé un petit mail, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont avoir de la peine pour moi et qu'ils vont se dire, bon, vas-y, on lui rembourse. Parce que t'as vu, je suis quelqu'un, je soutiens les gens, t'as vu. T'as vu, je soutiens, t'as vu. Je suis complètement ouf. Oh mon dieu, je crois que celui-là, c'est celui que je voulais le plus du monde. Ah merde, putain, j'ai foutu un... C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe quand on les sort. Ils le disent en plus sur le site. Est-ce que vous voyez le jaune, le vert, le bleu de ce truc? Non mais... Non mais... D'où sortent ces phares? C'est du rose, du vert, du... Mais what the fuck? What the fuck? Je suis choquée. Je suis choquée, oui. Oui, je suis choquée, oui.
La fille qui chante d'après elle. D'après elle, comme tu dirais. Ah, j'ai mis du haut rougeur. Bon, c'est bon, j'ai tiré. J'ai menti. Alors là, c'est fini. Je suis... Non, là c'est fini, les gars. Là, vous le voyez vert? Est-ce que vous voyez le violet? Est-ce que vous voyez le bleu? OMGs. OMGs. What the fuck? Je m'arrête là, parce que je vais vite les mettre dans leur truc. Là, vous voyez le vert? Vous voyez le bleu? Les gars, je viens de finir mon interview qui a duré 1h30. C'était de l'interne, comme dans beaucoup de boîtes, hein, vous devez l'imaginer. Il y a des responsables sur la partie communication interne. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux là? Eh mon Dieu, c'est bizarre ça. Eh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Hey, bon Dieu. Donc je vous disais, j'ai fini mon interview qui s'est très bien passé. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était de l'interne. Ma batterie a coupé au moment où vous m'avez vu juste avant, où je buguais sur une brindille que j'avais dans mes locks. Très très bonne interview, c'était super top. J'ai kiffé de ouf. Je suis très reconnaissante de mon travail, vous le savez. Je sais que ce métier m'apporte énormément pour tout autre métier que je ferai par la suite. Je vous dis pas que je ferai ce métier toute ma vie, mais ce que je fais aujourd'hui m'apporte énormément. Je suis très très... Je remercie vraiment toute personne de près ou de loin m'a aidée dans cette reconversion parce que j'aime vraiment ce que je fais et j'aime ce que je fais en fait. Et c'est rare d'aimer ce qu'on fait de nos jours. Et de pouvoir le pratiquer, de pouvoir l'exercer. Moi, je pense que je pourrais faire ce métier même bénévolement. Je vous assure, tellement je suis dans l'empathie de mon métier, quoi. Vraiment, je kiffe à fond. Et je me démotive pour personne, en fait. J'essaye de rester motivée. Parce que j'essaye de voir la vie avec tout ce qu'elle peut nous apporter comme jolie surprise. Donc, voilà. Bon, bref. Je trouve ça très cool, tant qu'on respire, tant qu'on a la possibilité d'être en vie, de se donner les moyens d'aider les autres, c'est génial, c'est vraiment cool, c'est très très cool. Et j'ai de la chance parce que pour mon métier je suis payée quoi, et ouais, bénévolement je pourrais faire ce métier là je pense. Bref, juste vous dire quoi d'autre, c'est que je suis trop contente. J'ai fait ça. Je vais manger parce que hier on a commandé du chinois avec le chéri. On n'a pas tout mangé parce que on a fait les fatigués. Et je vais manger des rouleaux de printemps, je crois, avec des nouilles sautées. Voilà. Je vous retrouve peut-être en fin de journée parce que j'ai quelques rendez-vous cet après-midi. Ouais, je me suis blessée en ouvrant les trucs. Vous avez vu ? Quelques rendez-vous cet après-midi, donc je vais m'atteler à m'en occuper. Bisous, à tout à l'heure. Gars, il est 18h, je viens de finir ma journée de télétravail et je suis tellement une collègue sympa que je pars, je vous montre, amener ces petites merveilles à deux de mes collègues qui vont être trop contents. Ils se trouvent pas très loin de chez moi, mais j'y vais à vélo. J'en ai pour facilement une bonne quinzaine de minutes à vélo. Souhaitez-moi bonne chance, voilà. Je vais faire le postier parce que demain j'aurai pas le temps de le déposer. Bisous et je vous retrouve peut-être ce soir. À toutes. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé hier de couper. Là, vous voyez, on voit bien hein, mon front. Ouais, je me suis brûlée comme je vous l'ai dit hier, bêtement. Enfin. Je ne suis pas maquillée comme vous l'avez vu. J'ai reçu mes fameux fards hier avec la mauvaise surprise. Je vous l'ai dit normalement hier, mais je ne sais pas si je l'ai filmé, d'avoir 45 euros de frais de douane. Bon, c'est que 45 euros, mais c'est quand même 45 euros quoi. Je commence à payer, mais je dis ça avec
avec le sourire, mais bon, ça fait partie du jeu. À payer mes cotisations d'impôts par rapport à ma chaîne, même si je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu me faire exonérer pour la première année, mais je me dis, tant qu'à faire, autant que je me lance déjà sur... Parce que c'est pas des gros montants non plus, c'est de l'ordre de ouais une trentaine, voire une quarantaine d'euros. Donc, sur un montant perçu grâce à ma chaîne, c'est quand même plus de 30% de ce que je perçois, donc c'est pas mal. Non. Alors, si je dis pas de bêtises, non, c'est 25% de ce que je perçois. Donc, quand vous avez, on va dire, 100 balles tous les 6 mois et qu'on vous prend 30 euros sur ces 100 euros, ouais. Ça fait pas des rentes de malade hein, au niveau de la chaîne, au niveau de plein de choses. Mais bon, je me dis au moins je suis clean au regard de la loi et j'ai pas à me préoccuper de voilà s'il y a un contrôle ou quoi. Je sais que en tant que micro-entrepreneur, j'ai fait les choses propres. Et s'il se passe quoi que ce soit, ben je pourrais prouver que voilà. Ce que j'ai perçu, ce que j'ai redonné à l'État par rapport à ce que j'ai perçu. Donc voilà. Et ça, j'invite vraiment tous les influenceurs, les créateurs de contenu à se mettre au clair avec la société par rapport à ça. Parce que je peux vous dire que quand vous avez un redressement judiciaire, un redressement des impôts par rapport à votre activité, ça peut faire très très mal. Donc soyez au clair avec ça, faites les choses bien pour qu'on n'ait pas à vous reprocher de n'avoir pas payé vos cotisations. Moi je suis assez carré là-dessus, moi mes impôts dès que je reçois, de toute façon maintenant impôts sur le revenu on n'a plus à s'en préoccuper, mais impôts type taxes d'habitation etc. Moi dès que je reçois la notification avec mon chéri, soit on le fait tout de suite directement via l'outil informatique, comme ça c'est fait. Soit si on le reçoit en version courrier. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi on le reçoit encore parfois en version courrier. Enfin, ça c'est un grand mystère. Alors qu'à chaque fois, on paye à distance. Mais bon, bref, peut-être que ça va changer, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai des courses à faire. J'ai envie de choses bien roboratives. Sans que ce soit non plus du fast-food hein. Mon chéri et moi on n'est pas non plus très fast-food, on mange on mange équilibré, on va pas se mentir, on est très légumes, on est très viande. Quand on était en vacances on a mangé un petit peu de tout et c'était très cool. Là je vais partir faire des petites courses puisqu'il est c'est ma pause déj et je vais en profiter pour aller refaire un test antigénique puisque je suis à l'agence la semaine prochaine pour 2 ou 3 jours. Donc pour protéger mes collègues et moi-même, je préfère vérifier que je n'ai rien. Que j'ai rien attrapé, rien chopé pendant les vacances non plus. Remarque, avec tous les bisous que j'ai fait avec mes copains, non, je pense que j'ai rien, mais bon, on a fait gaffe quand même, on a respecté tout ce qu'il fallait. Et puis voilà. Je vous montrerai peut-être en fin de journée ce que je vais cuisiner. Je pense que ça va être des légumes au four avec de l'ail, de l'oignon, des choses comme ça. Et du riz, il manque du riz. Ouais, je pense que je vais faire ça. Plein de légumes au four, j'ai vraiment envie de légumes au four, poivrons, courgettes et j'en passe, avec une bonne viande bien assaisonnée, et je pense que ce sera bon. Faut que j'aille courir ce week-end parce que je me sens lourde, mais quand je suis comme ça j'aime pas quoi. Et puis j'ai une fatigue en fait, une fatigue un peu étrange. Eh mais je me suis bien heureusement la peau elle est sortie naturellement, c'est pas moi qui l'ai enlevée. Mais bon. Ce mes highlights, j'y retourne. J'ai plein de trucs administratifs à faire, entre autres pour les personnes que j'accompagne, mais pas que. J'ai des trucs à faire pour moi et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous reprends peut-être en fin de journée, je ne sais pas encore. Oui, en fin de journée peut-être pour la vidéo sur les fards ou alors pour un petit make-up, je ne sais pas encore. Je vous embrasse, à plus tard.
Les highlights, je sais pas si vous m'entendez bien. Autre petit jour de vlogging. Je vais aller chercher quelques viennoiseries pour ce matin. Je suis pas super bien levée. Rien de spé aujourd'hui, c'est samedi. Je vais essayer de filmer. Je sais pas encore quoi, mais je vais essayer de filmer aujourd'hui. Donc là, je marche un petit peu. Je me suis dévouée pour le doudou ce matin. Le pauvre, il a bossé comme un dingue cette fin de semaine, alors que moi, je suis restée, on va se le dire, au chaud grâce au télétravail. Donc il neige, et oui, de la neige un peu partout. Je vais vous retrouver dans la journée. Je fais des bisous. Et puis je suis déjà toute blanche avec mon chapeau. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous.